Amen. I believe we want to follow Jesus. We have seen what the cost is, I believe, and we want to stand for him. Amen. So we are thankful to God for another opportunity in his presence as we come tonight. We thank him for his love and mercies. Can we just stand at this time as we sing? There's been a change in me. Someday I'll wear a crown. We sing it, and one day it's going to be a reality. Let's just bow our heads for a word of prayer. Almighty God, we thank you again tonight for your love and mercies, oh God. We thank you for your protection, for the door that you have opened for us to come again tonight. As we approach your throne of mercy, oh Lord Jesus, we just come the way we are, because there's nothing good that can come out of a man. But it takes you to, oh Lord, take all the filthy away, all the iniquity away. Anything can hinder you from coming in our lives, in our midst tonight. Oh Lord, we pray that you will just forgive us for our sins and take it away, oh God. And we pray with a humble heart tonight, knowing, oh Lord Jesus, we are the nobodies, but we come to you because you need the nobodies to make us somebodies, oh Lord. There is nothing we have merited, but we come based on the work that was accomplished that day on Calvary. And you said that the all things were accomplished that day. That's why today we can even come with assurance. Not because of what we are, not because of what we have done, but knowing that there's nothing good that we can even do. So that's why we just surrender all our lives in their hands. Even tonight as we come, oh God, we just pray that you will come in your sweetness and love and speak to each and everyone. We are so needy people. We are crying out, oh God, come and come, oh Lord Jesus. Come and take your own ways in our midst. May only your will be done. Bless your people as they come with one purpose in their hearts, to receive something, oh Lord, from you tonight.
Because as we come, you said, where there are two or three gathered in your name, you shall be in their midst. We do believe right now you are ready to offer yourself to whosoever is ready. So come prepare our hearts to receive your word as a ground that is ready to receive your word, O God. So we can stand for you and be successful, be overcomers in this evil age. Bless the offering, the tithe. Bless the word in our hearts. Bless your servant. And bless each and everyone as we are just longing for you, Lord Jesus, tonight. Blessed be your name, O God. Bless the service from the beginning to the end. And receive that on honor. In the blessed name of our Lord Jesus Christ, we pray it. Amen and amen. God bless you again. Don't be seated. Just a quick announcement here. There's been a little inspection in this building. So they gave a report to the church, to the landlord, and they kind of sent us some things that we have to work on. So that's why you have noticed that the subwoofer is no more there. So it was something that could be a hazard in terms of fire. So, but we need to talk a little bit. Maybe I'll bring the paper. Maybe Sunday, so we can see the points. We want to see the whole situation because they gave them a number of things they have to fix. You can see the word exit. These are some of the recommendations, but there was a bunch of things that this building was not. Did not qualify, didn't respond to the requirements of the fire department. So we need to know, because we use this building. So I'll bring the paper. We'll go over many points of it. But there are a few things that we, as our church here, we need to work around, like the wires and stuff. We'll talk about it, because it was a long paper. I didn't want to come tonight and go over it, but I'll bring it on Sunday. So, but there's no thing to be worried about. But we have been informed that this has to be taken care of, so that's what it is. So they're trying to organize on their part, their side, and we have to do things also on our side. Amen. So let's just, can we have the original life, please? It's number 319. We are.
a spoken word. Amen. Thank you, Jesus. Okay, can we take the offering at this time? As time is flying. Brother Shadrach, please. As we sing, the Lily of the Valley is number 86. Again, c'est bien de vous voir encore. You know, I'm happy to hear that there was an inspection done. Je suis heureux de savoir qu'il y avait une inspection qui était faite ici. Because myself, I was not, tell the truth, not satisfied the way we did our setup here. Parce que moi-même, j'étais pas satisfait de la manière dont on avait fait notre, on avait organisé nos choses ici. I kept on telling Brother Timo that I just don't like the way things are set up. I just don't like it. J'avais continué à dire à Frère Tom que je n'aimais pas la manière dont les choses étaient organisées ici. There's wiring everywhere. We need to change it. Il y a des cordes partout, on devait changer cela. And I know by to change it, it will take also money because we need to create lines in a way that it's more professional. Je sais que pour les faire, ça va aussi demander de l'argent parce que si on doit le faire, ça doit être fait de façon professionnelle. And I'm happy that the inspector said we should not have anything there because it's an exit. It should give us, if in case of fire, there should be the ability for people to run to go out, you know, which is good. Je suis content que
on a pu trouver que le sable ou feu ne devait pas être sur le chemin parce que c'était aussi un danger si jamais il y avait le feu pour que les gens puissent s'évacuer facilement. So I think that we need to have a meeting with the musicians and the trustees to really decide how we want to see the church set up in a way that is protects everybody, right? Je pense qu'on devrait avoir une réunion avec les administrateurs, les musiciens, to see the cost of what la manière dont et c'est qu'on doit faire pour que ça soit pour ça protège tout le monde. Because we shouldn't have wiring going around the church like that. Parce qu'on ne doit pas avoir les cordes qui vont partout dans l'église comme ça. Amen. And I know with this building is not ours. Je sais que ce bâtiment ne nous appartient pas. We are just renting. Nous sommes en train de louer. But my vision. Ma vision. Was to have cameras, projectors, everything set up on the walls. Avoir les caméras, les projecteurs, tout est mis sur les murs. In a way that we do things in a professional way. De manière qu'on fait des choses de façon professionnelle. Amen. If it will take to put those speakers on the ceiling, then let's put them on the ceilings. S'il faut mettre ces haut-parleurs au plafond, alors qu'on les mette au plafond. We'll have to open the ceilings and to put them because there's wiring everywhere. It just can't work that way. On doit les faire parce que avec des fils partout, ce n'est pas bien comme ça. Amen. I believe it is possible. Je pense que c'est possible. Amen. So we should not look like we are not organized. It doesn't look good. On n'est pas vraiment organisé. Je pense, ce n'est pas vraiment bien. Yeah, it's always a problem with me every time I see the way the church is set up. I think we need to reorganize things. Je pense que la manière de l'organiser, l'église est établie. J'ai toujours vu qu'on devait réorganiser les choses. Amen. 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 Do you agree with me or no? Est-ce que vous acceptez ce que j'ai dit ou non? Amen. Yeah. Brother Paul, do you agree with me or no? Yeah, I agree. I just want to add something here. Yeah. Because the inspection gave a bunch of things that were the responsibility of this church. And we have a few items concerning us. But I know. The big deal, it was not us. It's okay. Yeah, I agree. I just wanted because I know that we have the wire was one of the problem. Mm-hmm. But we'll talk about maybe you know. It's okay, but I'm just saying that I'm happy the inspection has been done because as for me, I was not satisfied. Je suis heureux from the beginning. Pour moi, parce que l'inspection a été faite parce que je n'étais pas satisfait au commencement. Yeah, I believe that things should look professional. Et je crois que les choses devaient être professionnelles. And nice. Et aujourd'hui aussi. Not pieces here, stuff running around everywhere. I don't see. Pas les morceaux par-ci par-là. Alors. I used to tell my wife. Je disais à mon épouse. Even if I have one bedroom. Même si j'ai seulement une chambre à coucher. Like a studio or one bedroom. Même comme un studio. I should organize my life. Je dois organiser ma vie. I cannot say no because I have only a one bedroom apartment. I can't organize my life until I have a six-bedroom house, then I'll put things tidy and this, everything nice. No, if you're not organized in a little house, in a small apartment, you won't be organized in a bigger house. Alors, si on n'est pas organisé dans une petite maison, même si c'est une grande maison, on ne pourra pas être organisé non plus. Ce n'est pas qu'on doit avoir une grande maison pour organiser les choses. There'll be a portion of your house that'll be organized, but people go to the garage, they find a mess. They go some other places because you can't just organize stuff. Il y a des fois, il y a des endroits où tu as organisé, mais on va au garage, on trouve qu'il y a un désordre parce que tu ne peux pas organiser les choses. Because in case of fire, there are things that would make the fire become more intense. Parce qu'on, so you have to, you don't put things that help the fire. En cas de feu, bon, il y aura des choses qui vont intensifier le feu, donc vous devez éviter les choses qui peuvent le faire. Amen.
So it's our duty, it's our responsibility to watch over those things. Alors c'est notre responsabilité de vraiment faire attention et puis veiller à ces choses. Amen. Amen. So I'm so thankful to God that there was an inspection that kind of gives me. I'm happy. Je suis vraiment content pour l'inspection. I'm not complaining because I believe that we need to be, we need to do the right follow-up. Je crois qu'on doit vraiment suivre les instructions. Amen. Amen. So today, I wake up in the morning. I went to bed early. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Je suis allé au lit un peu tôt, donc je me suis réveillé. But I woke up with the headaches. Je me réveillé avec des maux de tête. And the whole day. Toute la journée. And then, you know, what's going on here? Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui arrive ici? But then, when I was getting ready for service. Alors, je m'apprêtais pour le service. And then another subject came to my mind. Un autre sujet est venu à mon, dans ma pensée. That kept me the whole day coming up. Qui a continué à revenir toute la journée. But I came back to what I was supposed to preach. Mais je suis retourné à ce que je devais prêcher. I wanted to talk on marriage relationship dynamics. Je voulais parler de la dynamique de la relation dans le mariage. Amen. And it's very important. Et c'est vraiment important. It is not just about marriage. Ce n'est pas seulement au sujet du mariage. In the natural. Dans le naturel. Because marriage in the natural. Parce que le mariage dans le naturel. Is just a type of the true marriage. Est seulement le type du véritable mariage. So this marriage we have on earth. Alors ce mariage que nous avons sur la terre. These natural marriages. Ces mariages naturels. It's not the It's not the true one. Ce n'est pas le véritable. Amen. It's just a type of the true one. Ce n'est seulement un type du mariage véritable. The true one is the marriage of the Lamb. Le véritable, c'est le mariage de l'agneau. Amen. Amen. Christ and the bride, that's the true marriage. Christ et l'épouse, et ça c'est le véritable mariage. So we have to portray Christ. Nous devons vraiment comment exprimer Christ. I remember when I was invited by Apostle Jérôme. Je me rappelle quand j'étais invité par l'apôtre Jérôme. And he asked me the question. Il m'a posé la question. Why should a believer marry only a believer? Pourquoi un croyant devait seulement épouser un autre croyant? And I said, well, because you as a Christian. Je lui ai dit que parce que vous comme chrétien. Christian means Christ-like. Chrétien signifie qui ressemble à Christ. So that means your life becomes a reflection of Christ. Alors votre vie devient une réflexion de Christ. So in everything you do. Alors dans tout ce que vous faites. You want to portray Christ. Vous voulez vraiment exprimer Christ. So there's no way. Alors il n'y a aucune façon. You could try to be a Christian without portraying Christ. Essayer d'être chrétien sans comment exprimer Christ. Amen. So we look God as giving examples in the Bible. Et nous regardons Dieu comme l'exemple donné dans la Bible. God has said given so many other things. Dieu a dit, il a donné beaucoup de choses. That we as believers we have to portray. Que nous comme chrétiens nous devons vraiment afficher. Today I'm going to lay a foundation. Aujourd'hui, je vais établir un fondement. Of a key word. Du mot clé. The key thing that I believe that is at the core of every issue in a relationship. C'est la clé pour moi, je dirais que c'est le cœur de tout problème dans la relation. I'll take a little series on this. Probably until Brother Darren comes, then I'll change my subject. I'll see how the Lord will lead. Je vais continuer avec cette série jusqu'à ce que le frère Darren va venir. Je verrai comment le Seigneur va conduire. So I'm willing to receive your questions. Alors j'aimerais avoir recevoir vos questions. I'm not going to say who has asked the question. Je ne vais pas dire qui a posé la question. But we can deal with those questions as we preach the word. Nous pouvons traiter ces questions pendant la prédication. And you can always send me a text with your questions, or you can send me an email. Vous pouvez m'envoyer un courrier électronique, ou bien
un texte avec des questions. You can also call me. Tu peux aussi m'appeler. It always makes me feel good when people ask questions. Je me sens toujours bien quand les gens posent des questions. Because it shows that there's a willingness to learn. Parce que cela montre qu'il y a un désir, une volonté d'apprendre. And I believe that you are not asking questions to in the spirit of contention. Je ne pense pas que vous posez des questions dans l'esprit de comme des débats. Because sometimes people ask questions, they want to debate. Parce que des fois, des gens posent des questions, mais ils veulent faire des débats. If you are in that attitude, it's not the best approach. Si vous êtes dans cette attitude, ce n'est pas une bonne approche. You must be in the position of a believer. Vous devez être dans une position d'un croyant. I believe. Je crois. But I need more understanding. Mais j'ai besoin de plus de compréhension. How should I deal with this, with that? Comment based je peux, on what you say, I need God's help. Comment je peux traiter ceci et cela et j'ai besoin de l'aide de l'Éternel. I believe the attitude we approach with our question will determine the outcomes. Je crois que l'attitude avec laquelle on approche la question va déterminer le résultat. You know, somebody went to see a pastor. Vous savez, quelqu'un est allé voir un pasteur. Because he has a problem with his wife. Parce qu'il avait un problème avec sa femme. And he went to see the pastor. Il est allé voir le pasteur. With the book Marriage and Divorce. Avec le livre Mariage et Divorce. So that means that person when is coming to see the pastor with that book. Ça montre quand le pasteur vient voir le pasteur avec ce livre. Is already coming with the spirit of contention. Il vient déjà avec un esprit de débat. Because he knows that the pastor may say no. Parce qu'il sait que le pasteur peut dire non. So the person is coming with the idea of facing that, to contradict, to debate, to prove his case, to prove his problem. You know, la personne vient avec cette position là pour prouver ou bien défendre son opinion. And if you come with that kind of attitude, it's not going to help you. Mais si vous venez avec une attitude telle que cela ne va pas vous aider. Because with that kind of attitude, you never move forward. Parce qu'avec une attitude telle qu'elle est là, donc on ne peut pas aller de l'avant. Amen. If you don't mind, let us stand. Let's sing a chorus. Et and we go to the word. Alors qu'on va chanter un chœur. Blessed be the name, blessed be the name. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be. We thank you, Lord, for your love and grace. Merci pour ton amour et ta grâce. We thank you for the opportunity you've given us to be here. Merci pour l'occasion que tu nous as donné d'être ici. Lord, we also want to thank you for the loosening of restrictions. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la levée des restrictions. That starting this Sunday, we can have everybody in the church. Tel que le dimanche ici, on peut avoir tout le monde à l'église. Father, we pray that you continue to protect your children. Père, nous prions que tu continues à protéger tes enfants. Father, keep us under the blood. Père, garde-nous sous le sang. Lord, we cast out any contagious demons of COVID out of your children, Almighty God. Nous chassons tout démon contagieux de COVID ici parmi tes enfants. Keep us under the blood, Lord. Garde-nous sous le sang, Seigneur. Forgive our sins and iniquities, O Father. Pardonne nos péchés et notre iniquité, Père. Let your grace continue to keep us, O God. Et que ta grâce continue à nous garder. Father, we love you.
And we appreciate you. Lord, tonight we have come in your house. Seigneur, ce soir nous sommes venus dans ta maison. Lord, may you prepare our hearts to receive your word. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Take all distractions away. Ôte toute la distraction. Let our mind focus on your word, Almighty God. Et que nos pensées soient vraiment orientées vers ta Lord, parole. Lord, as we are talking about marriage relationship. Alors que nous parlons des relations de mariage. There's no greater marriage than the marriage of the bride and Christ. Il n'y a pas de grand mariage que celui de l'épouse et Christ. And we all want to live on this earth, Lord, to be a reflection, Almighty God. Et nous désirons vivre sur cette terre à être une réflexion. Because we are also involved in a marriage. Parce que nous sommes aussi impliqués dans un mariage. There is a great lesson here, Father, as Paul said, it's a mystery compared to Christ. C'est une grande leçon, comme Paul l'a dit, c'est un mystère comparé entre Christ et l'Église. And the whole nature has been designed in a marriage type. Et toute la nature a été conçue dans un type de mariage. Because the New Testament is like the male compared to the Old Testament is the male compared to the New Testament. Parce que l'Ancien Testament c'est comme le mal comparé au Nouveau Testament. And we know, Father, that the moon and the sun, they are compared as the female and the male. Et nous savons aussi que la lune et le soleil sont comparés comme femelle et mâle. And the heaven and earth is compared as male and female. Et le ciel et la terre se comparent aussi au mâle ou à la femelle. Lord, we can see that even people in this world, in electricity, they have male and female. Nous savons, ô Seigneur, dans ce monde, dans l'électricité, nous avons le mâle et le femelle. Lord, we know that you have revealed your own nature through marriage. Seigneur, nous savons que tu as révélé ta nature à travers le mariage. And your prophet in this last age, O God, has revealed unto us mysteries of Father pertaining to marriage relationship. Et ton prophète nous a révélé dans cet âge les mystères qui sont reliés au mariage. Father, I pray that you break up the fallow ground of your children and open up their heart that they may receive your word, that this may help them, Almighty God, be overcomers in their relationship. Tu brises les cœurs de tes enfants, qu'ils puissent recevoir ta parole, qu'ils puissent être vainqueurs dans leur mariage. And also, Father, a good preparation for those who are not yet married to know what are the key requirements to get into marriage relationship. Et aussi pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils sachent quelles sont les clés, quelle est la clé qui est requise pour entrer dans cette relation. In the name of Jesus, we have prayed, O Father. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bless the reading of the word. Bénis la lecture de la parole. Let the Holy Spirit be the preacher. Que le Saint-Esprit soit l'enseignant. As we wait upon thee, Father, this afternoon. Alors que nous attendons à toi ce soir. In Jesus' name, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. God bless you all. Before you sit it, let's go to the Bible. On peut aller dans la Bible avant de nous asseoir. Let's go to 1 Peter chapter 3. On va aller dans 1 Pierre 3. First Peter chapter 3 from verse 1 to 7. 1 Pierre 3 verset 1 à 7. First Peter chapter 3 verse 1. 1 Pierre 3, 1. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband. You see, sometimes I see the word, the Bible. So every single word that you see in the Bible, even when in a quote of Brother Branham, always look to the word. It's not just for the sake of that word to be there. It's your own husband. So likewise, you wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may be without the word, that's mean without preaching unto them, without preaching unto your husband. You have to repent. You have to change. The word of God says, the Bible just said, without preaching of the word, without word, be won by the conversation of the wives, like this woman who won the husband
by her testimony. The husband came and he felt like somebody was drunk, but by her behavior, she was able to bring her husband and her husband friends to Christ. So that's what this scripture says. While they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold or putting on apparel, but let it be the hidden man of their heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God a great price. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are. If you are the daughters of Sarah, you call your husband Lord. Hallelujah. It's hard, eh? How many are daughters of Sarah's today? People don't want to lift up their hands. They're scared. Okay. This is Paul saying, even as Sarah obeyed Abraham. You're not interpreting what I'm speaking, eh? Alors, quand Sarah obéissait à Abraham, calling him Lord, l'appelant Seigneur, whose daughters you are, as long as you do well, dont vous êtes les filles, as long as you do well, en faisant ce qui est bien, and are not afraid with any amazement, sans nous laisser troubler par aucune contrainte. Likewise, ye husband, Marie montrée, dwell with them, à votre tour avec la sagesse, according to knowledge, giving honor unto the wife, dans vos rapports à vos femmes. So they are asking the men to give honor. Alors on demande aux hommes d'honorer leurs épouses. To give, for me, I'm telling the truth. Alors pour moi, je dis la vérité. In marriage relationship, dans la relation du mariage, the position of a man is harder than the position of the woman. La position de l'homme est plus difficile que celle de la femme. But men don't see it. Mais les hommes ne le and voient sometimes pas. Women also don't get it. Et parfois les femmes aussi ne le saisissent pas. Likewise, ye husband, comme avec vous, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife and unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Hallelujah. Amen. May the Lord bless the reading of the word. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. You may be seated. Vous vous asseoir. So, first of all, we want to see the origin of marriage. Alors, nous voulons d'abord parler du mariage original. Because anything today can be called marriage. Parce que toute chose aujourd'hui peut être appelée mariage. Hallelujah. Amen. So when you take your blouse and you want, oh, it's red, so I need to have a skirt that is black, because then the color marries, the color goes together, you know. Alors, que vous prenez votre blouse, vous prenez une robe dont la couleur va ensemble. So you can call it marriage between colors. Alors, vous appelez ça mariage de couleur. There are different ways people can call things that really get mixed well, nicely, call it, it's a good marriage. Alors les gens peuvent aussi appeler les choses qui concordent bien être comme étant un bon mariage. But all these are metaphors. Mais tout ceci, ce sont de métaphores. So they are not the thing, but they look like. Ce n'est pas la chose, mais ça donne l'air. It's what we call, it's a speech style. C'est ce qu'on appelle figure de style. Just to say it's like marriage, but it's not marriage. Pour dire que c'est comme un mariage, mais ce n'est pas un mariage. Amen. Amen. They can say your eyes
are like white like snow, but your eyes are not snow. C'est comme si on disait tes yeux sont blancs comme de la neige, mais en réalité c'est pas blanc comme de la neige. Or your teeth are like snow, but they are not snow. Les tes dents sont comme de la neige, mais c'est pas de la neige. Amen. So today we have different marriage as well. Alors aujourd'hui nous avons différents types de mariages. We have people married animals. On a des gens qui se marient aux animaux. People marry between them same sex. Les gens se marient dans le même sexe. But when God originally created marriage, mais lorsque Dieu a originellement créé le mariage, it was men and women. C'était pour les hommes et les femmes. Amen. And that's what is in the Bible. Et c'est ce qu'il y a dans la Bible. Marriage, le mariage, the first marriage, le premier mariage, was instituted by God. Était institué par Dieu. And whenever marriage doesn't look like a marriage, et à chaque fois que le mariage a l'air d'un mariage, n'a pas l'air d'un mariage. Oh, à chaque fois que le mariage n'a pas l'air d'un mariage. Well, God has always has a remedy. Dieu a toujours un remède. Because one time people where they found themselves in the pot with all kinds of marriages, alors bringing death. Une fois, les gens se sont retrouvés dans des sortes de mariages qui apportaient la mort. And then what did they do? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? When people were eating those what was in the pot, then people were being killed. I forgot what they called it in English. Alors, lorsque les gens mangeaient ce qui était dans cette casserole, j'ai oublié comment on appelle ça en anglais, et il mourait. Let me find it. I should be able to read it for you. Je vais essayer de trouver ça et de lire ça pour vous. And it's in 2 Kings. C'est dans 2 Rois. Chapter 4, verse 39. And one went out into the field and got herbs and found a wild vine and got thereof wild gourds. They call them wild gourds. His lap full and came and shred them into the pot of pottage, for they knew them not. Yeah? These are things that people did not know, but they make you eat it. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas, mais on fait consommer cela. Now it's bringing death, it's bringing problems. Là maintenant, ça apporte la mort. So they pour out for the men to eat, and it came to pass as they were eating of the pottage, they cried out and said, "Oh, thou man of God, there is death in the pot," and they could not eat thereof. 2 Rois 4:39. 40. Read. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, l'homme de Dieu, et ils ne purent manger. So if you did eat those wild gourds, c'est-à-dire que si tu avais mangé ces oiseaux sauvages, non, les coloquintes sauvages, ces coloquintes sauvages, if you have eaten those wild gourds, si vous avez mangé ces coloquintes sauvages, and then there's death in your life, et qu'il y a la mort dans ta vie. So God has a provided way. Dieu a pourvu d'un moyen. The prophet said, le prophète a dit, take the meal flour, prends la farine, and put it in there, et mets ça là-bas. Death will go. La mort va partir. Take the word, prends la parole, and the word will fix it. Et la parole va arranger cela. Amen. Amen. Take the word, prends la parole, and the word will fix it. Et la parole va arranger but cela. Many times, mais à plusieurs reprises, people don't want to take the word. Les gens ne veulent pas prendre la parole. They want to take their own understanding. Ils veulent prendre leur propre compréhension. So when God set up the first marriage, I want you to understand. Alors lorsque Dieu a établi le premier mariage, je veux que vous compreniez. Because the first marriage was instituted by God. Parce que le premier mariage était institué par Dieu. And I want you to get this point very clear. Et je veux que vous puissiez clairement saisir cela. Don't miss it. Ne manquez pas ceci. The basis upon which God set up the first marriage. Les bases sur lesquelles Dieu a établi le premier mariage. First of all, he said he created man.
Premièrement, il dit qu'il a créé l'homme. He created man in his own image. Il a créé l'homme à son image. And man was a spirit man. Et l'homme était un être esprit. He was both male and females. Il était à la fois homme et femme. If man would have remained in that condition, si l'homme serait resté dans cette condition, there wouldn't have been any need of marriage. Il n'y aurait pas eu besoin du mariage. Because he was both male and female. Parce qu'il était à la fois homme et femme. And in that condition, et dans cette condition, in that state, dans cet état, man was in the same realm than God. L'homme était dans la même forme que Dieu. Dimension. Dimension que Dieu. So they could fellowship as spirits. Alors ils pouvaient communier comme esprit. Because God himself suffered loneliness. Parce que Dieu lui-même a souffert de la solitude. And he wanted to have a family. Et il voulait avoir une famille. So he said, let us create men in our own image. Alors il a dit, créons l'homme à notre propre image. In our own likeness. À notre ressemblance. But to create something for fellowship, et pour créer quelque chose pour la communion, God took something that was in him himself. Dieu a pris quelque chose qui était en lui. So there was a fellowship in oneness. Alors il y avait la communion dans l'unicité. Because what God wanted to fellowship with has to come out of God. Parce que c'est avec quoi Dieu voulait communier devait sortir de Dieu. So he took one of his attributes and made man out of it. Alors il a pris l'un de ses attributs et en a fait un homme. Amen. Amen. So when God put Adam, alors lorsque Dieu a pris Adam, that spirit man, cet homme esprit, he put him now in a body of flesh. Il l'a maintenant mis dans un corps de chair. In that body, dans ce corps-là, Adam was alone. Adam était seul. There was no being on earth that was a human being. Il n'y avait pas d'autres êtres humains sur la terre. And all other animals, they were in couples. God made them male and female, male and female, male and female, except men. Tous les animaux étaient couples, mâle et femelle, à l'exception de l'homme. When I was talking on the TV, quand je parlais à la télévision, I told them Adam was male and female both together. Je leur ai dit, Adam était à la fois homme et femme. Ils ont dit alors, I said, but it's in the Bible. J'ai dit, mais c'est dans la Bible. He was both male and female. Il était à la fois homme et femme. Because when Eve was created, parce que lorsque Eve était formed, créée, était formée, God plunged Adam into a deep sleep. Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. And he took a rib out of Adam. Et a retiré une de ses côtes. To make Eve. Pour en faire Eve. And then when he woke up, et lorsqu'il s'est levé, Adam received the revelation. Adam a reçu la révélation. It was by revelation. C'était par révélation. Ah, now. Maintenant. This one. Celle-ci. Is flesh of my flesh, bone of my bones. Et chair de ma chair, os de mes os. Amen. Amen. And she shall be called woman. Et on l'appellera femme. Why? Pourquoi? You know why? Vous savez pourquoi? Let's read it. On va lire. Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2, verse 23. Genèse 2, 23. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. She came out of the man. Elle est sortie de l'homme. Amen. Amen. Are you there with me? Vous y êtes? Listen. Suivez. So the basis of marriage. Alors les bases du mariage. God saw that Adam was in loneliness. C'est que Dieu a trouvé que Adam était dans la solitude. He was craving for loneliness. Il était dans la solitude. Amen. Amen. He was Adam was a, you know, he lived as both man and female as a human being for a long time in the body. Spirit side, but as in a body, he lived alone for many years. Il a vécu comme homme et femme dans un seul corps pour beaucoup d'années. And God said it's not good for Adam to be alone.
Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. I'm going to make him a helpmate. Je veux lui former l'aide semblable. Amen. Amen. So the reason why God created a woman, alors la raison, or formed a woman for the man, la raison pour laquelle Dieu a formé la femme pour l'homme, because man was alone. C'est parce que l'homme était seul. So he wanted man to have company. Alors il voulait que l'homme puisse avoir de la compagne. He wanted man to have a fellowship. Il voulait qu'il ait la communion. But because God has the basis of fellowship, mais parce que Dieu avait les bases de la communion, it must be on the basis of oneness. Ça doit s'établir sur l'unicité. So he took an attribute of Adam. Alors il a pris l'attribut d'Adam. He took the feminine spirit that was in Adam. Il a pris l'esprit féminin qui était dans Adam. And placed it in Eve. Et a placé cela dans Eve. He formed Eve. Il a formé Eve. And he placed that spirit in Eve. Et a placé cet esprit dans Eve. And when Adam, et lorsque Adam woke up, se réveillait, he said, il a dit, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Celle-ci est la chair de ma chair et os de mes os. But what I'm saying in the marriage, in the message, the invisible union, Abraham dit dans le mariage, union invisible, marriage is the oldest institutions in the world. Le mariage, c'est l'institution la plus ancienne dans le monde. Marriage was performed first. Le mariage a été établi premièrement. And instituted. Et institué. In the Garden of Eden. Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So there's a need. Donc il y a un besoin for oneness in a marriage. Pour l'unicité dans le mariage. And I've already explained the difference between oneness and unity. Et j'ai déjà expliqué la différence entre l'unité et l'unicité. Unity, l'unité, is two things coming to be together. C'est quand deux choses viennent ensemble. Like we are here in unity. Tel que nous sommes ici dans l'unité. In one building. Dans un bâtiment. But oneness, mais l'unicité, is two things making one. C'est deux choses qui deviennent une seule. They are inseparable. Ils sont inséparables. It's like water and it's like oxygen and hydrogen. C'est comme l'oxygène et l'hydrogène. If you split it, si tu sépares cela, there's no more water. Il y a plus d'eau. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So it cannot be separated. Alors cela ne peut pas être séparé. Oneness is, so the element of oneness, they are part of the chemistry. Alors l'élément de l'unicité fait partie de la chimie qui le forme. So when Adam said, alors lorsque Adam a dit, this is bone of my bones, ça c'est l'os de mes os, and flesh of my flesh, et chair de ma chair, that was a revelation. Cela a été une révélation. That means Adam, c'est-à-dire Adam, recognized, a reconnu Eve, que Eve as himself, est lui-même. He recognized Eve as himself. Il a reconnu Eve comme lui-même. So this is another me. Ça, c'est l'autre moi. She is my bone. Elle est mon she os. Is my flesh. Elle est ma chair. She is me. Elle est moi. It was a revelation. C'était une révélation. Because he slept. Parce qu'il dormait. He didn't know what happened. Il ne savait même pas ce qui se passait. He just slept. Il a simplement dormi. Then he woke up. Et lorsqu'il s'est réveillé, oh, this is bone of my bone and flesh of my flesh. Celle-ci est l'os de mes os et chair de ma chair. Who told you that? Qui t'a dit cela? Adam, who told you? Adam, qui t'a dit? It was a revelation. C'était une révélation. He knew. Il and savait. He said they shall call you a woman. Et il a dit qu'on va t'appeler femme. Because you were taken out of me. Parce que tu étais prise de moi. And God said amen. Et Dieu a dit amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So you see, alors voyez-vous, there was no language of divorce. Il n'y avait pas un langage de divorce. Because how can you divorce your arm? Parce que comment est-ce que tu peux divorcer ton bras quand ton bras? Oh, I don't like my arm anymore. Je n'aime plus mon bras. But it's part of you. Mais ça fait partie de toi. How can you get it away? Comment est-ce que tu peux t'en débarrasser? You cannot. Tu ne peux pas. It's part of you. Ça fait partie de toi. That's a revelation. C'est une révélation. A revelation is part of your life.
Une révélation, ça fait partir de you ta sleep vie. With it, you wake up with it. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Amen. Amen. The wind will blow, revelation stays. Le vent va souffler, la révélation reste. Amen. Amen. The rain will come, revelation will stand. La pluie va tomber et la révélation va rester. Your hair will stand because it's a revelation, it stays there. It's part of you. Vos cheveux vont rester parce but que if something I'll just put up when there's a wind, it can flow. Mais si on ajoutait quelque chose lorsqu'il y a du vent, ça va partir. Hallelujah. Now, listen. Suivez. But what I'm saying in the message oneness, I want you to listen very close because I'm laying a foundation that's a key why there are problems in marriage relationship. Alors, je vais établir un fondement qui est la clé de problèmes dans les mariages. And for you to understand afin how it's important for you que vous saisissez combien c'est important pour vous to do what is right, de faire ce qui est correct to get into marriage correctly, pour que vous entrez dans le mariage correctement, vous jeunes and gens. Those already in marriage, et ceux qui sont déjà mariés to know what they need in their life, qui sachent ce dont ils ont besoin dans leur vie. I don't believe there's any marriage, je ne crois pas qu'il y ait un seul mariage can be what it ought to be, qui essaie que ça devrait être without a union between husband and wife and God. Sans qu'il y ait cette union entre l'homme, la femme et Dieu. But what I'm said, Frère Nam dit, there's no oneness, il n'y a pas d'unicité if God is not there. Si Dieu n'est pas là. Amen. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. I'm going to repeat it. Je vais répéter cela. There's no oneness, il n'y a pas d'unicité if God is not there. Si Dieu n'est pas là. And I want to show you how important oneness is. Et je veux vous montrer combien important l'unicité est. I know my arm. Je connais mon bras. If my arm is sick, si mon bras est malade, my whole body is sick. Tout mon corps est malade. If my legs are tired, si mes jambes sont fatiguées, my whole body feels it. Tout mon corps le sent. Because it's part of me. Parce que ça fait partie de moi. If my leg is sick, si mes jambes sont malades, my body feels it. Mon corps le sent. That's what it means, oneness. C'est ce que cela veut dire, l'unicité. You understand one another. Vous comprenez mutuellement. Because you are part of oneness. Parce que vous faites partie de l'unicité. You are part of the chemistry. Vous faites partie de la chimie. Two people can be together. Deux personnes peuvent être ensemble. Sleep together. Dormir ensemble. Have children. Avoir des enfants. But they are separated. Mais ils sont séparés. They're not together. Ils sont pas ensemble. People can be in a church. Les gens peuvent être dans l'église. Like we are now. Tel que nous sommes maintenant. We are not in oneness. Nous ne sommes pas dans l'unicité. We are in unity. Nous sommes dans l'unité. But for us to be in oneness, mais pour que nous soyons dans l'unicité, we must be part of the chemistry. Nous devons faire partir de la chimie. That reason, raison even pour laquelle, in a church setting, même la configuration we de l'église, cannot be in oneness, nous ne pouvons pas être dans l'unicité without Christ. Sans Christ. You understand that? Est-ce que vous comprenez cela? If there's no Christ, s'il n'y a pas Christ, there will be no oneness among us. Il n'y aura pas l'unicité parmi and nous. What will happen, et ce qui va se passer, people won't feel the other's pain. C'est que les gens ne vont pas ressentir la peine des autres. The pain of a sister, of a brother, they don't care. La peine d'un frère, d'une sœur, ça les importe peu. But they are not connected. Ils ne sont pas connectés. They are not connected. Ils ne sont pas connectés. If you were connected, si vous étiez connectés by a revelation, par révélation and you came to the oneness, et que vous parvenez à through l'unicité Christ, par Christ, you cannot remain indifferent. Vous ne resterez pas indifférent. Il dit, that's what Abraham says. It says, I don't believe. Il dit, je crois pas. There's any marriage qui a un seul mariage can be what it ought to be qui peut être ce que cela est censé without être a union sans l'union between husband and wife and God. Entre l'homme, la femme et Dieu. That's right. C'est correct. Amen. Amen. He said they'll bring up children in the world. Il dit ils vont faire des enfants dans ce monde. And make them illegitimate. Et en faire des illégitimes. Give them cigarettes, whiskey, play cards in their sight. Leur donner du cigarette, du whisky
et jouer des cartes devant. Drink liquor and before them. Boire des boissons fortes. No matter how loyal they are to their marriage vows. Et peu importe combien ils sont loyaux à leurs vœux de mariage. No matter how there's a couple that spend 30, 40 years together. Peu importe combien c'est un couple qui a passé 40, 50 ans ensemble. That's sexually, that's flesh. C'est simplement une relation sexuelle, c'est seulement de la chair. But there's a spirit in there, that spirit of sinner, papa and mama, no matter how loyal to the children, will come wrong. Et cet esprit pécheur de papa et maman, peu importe, va avoir un résultat négatif. Amen. Amen. So, alors, Adam and Eve were in unity. Adam et Eve étaient dans l'unité. Hallelujah. Amen. So the pain of Adam was the pain of Eve. La douleur d'Adam était la douleur de Eve. The pain of Adam was the pain of Eve. La douleur d'Adam était la douleur de Eve. The pain of Eve was the pain of Adam. La douleur de Eve était la douleur d'Adam. The joy of Eve was the joy of Adam. La joie de Eve était la joie d'Adam. The joy of Adam was the joy of Eve. La joie de Eve était la joie d'Adam. Alléluia. Amen. The suffering of your wife, la souffrance de ta femme, is your suffering. C'est ta souffrance. The suffering of your husband, la souffrance de ton mari, is your suffering. C'est ta souffrance. This is oneness. Ça c'est l'unicité. Frère Branham dit. I'm going to read this here. Je vais lire ceci. So you see, today marriage has changed meaning already. Alors vous voyez, aujourd'hui, le mariage a changé sa signification. Because love has also changed meaning. Parce que l'amour aussi a changé sa signification. People have watched too much love magazine. Les gens ont tellement lu beaucoup de magazines. They watch too much of movies. Ils ont suivi beaucoup de films. They watch too much of Hollywood. Ils ont suivi beaucoup de Hollywood. The church is completely drunk with Hollywood. L'église est tellement enivrée de Hollywood. We have adopted ways of the world. Nous avons adopté les manières du monde. Our dating is like the world. Notre façon de faire la cour est comparable à celle du monde. The world don't know what they are looking for. Le monde ne sait pas ce qu'il cherche. I was listening to a broadcast. Je suivais une diffusion. And somebody said. Et quelqu'un a dit. No, you know, since I saw you, I felt something that I've never felt before. Sœur, quand je t'ai vu, je sentis quelque chose que j'ai jamais senti auparavant. So today I've come. Alors to tell you. Je suis venu te dire. What I feel. C'est que je ressens. And the person says. Et la personne dit. I'm sorry, but I'm already in another relationship. Désolé, je suis déjà engagé. So, what you felt, where did it come from? Alors, ce que tu as ressenti, d'où est-ce que ça venait? And you see, all of those symptoms, I call them symptoms because it's a sickness. Et vous voyez tous ces symptômes, je les appelle symptômes parce que c'est une maladie. You find it even among message believers. Vous les trouvez même parmi le croyant du message. People were supposed to know better. Des gens qui étaient censés connaître mieux que ça. And to marry correctly. Et se marier correctement. Hallelujah. Amen. So we see here. Alors on voit ici. Adam was not craving for sex or for somebody to wash their dishes or I don't know, or somebody that looks muscular like you know, it was not that. Or Eve was not looking for somebody like Adam, like that. Adam was looking for a sexy queen and walking, and you know, no, it was not that. Alors Adam n'était pas dépourvu de sexe ou de quelqu'un qui allait faire sa lessive, ou encore Eve ne cherchait pas quelqu'un de musclé, ou encore Adam quelqu'un de sexy. Non, c'est pas ça. The problem of Adam was fellowship. Le problème d'Adam, c'était la communion. Was loneliness. C'était la solitude. Amen. That means you can have all of that. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ceci. Anybody can have all of that. Tout le monde peut avoir ceci. Without being in marriage. Sans être dans le mariage. You can have all of that. Tu peux avoir toutes ces choses. People are having it now. Les gens l'ont maintenant. In the world. Dans le monde. They have sex.
Ils ont le rapport sexuel. They have everything they want. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. They live like husband and wife. Ils vivent comme mari et but femme. They are not married. Mais ils ne sont pas mariés. Is that what God intended for men and women to be like? No. Est-ce que c'est ce que Dieu avait pourvu pour l'homme et la femme? Non. Any relationship outside of marriage. Chaque relation en dehors du mariage. It's either fornication or adultery. Et soit la fornication, soit l'adultère. There's only one framework. Il n'y a qu'un seul cadre. Where it's allowed for a woman or a man to be together. Où c'est permis qu'un homme et une femme soient ensemble. It's in the marriage. C'est dans le mariage. Outside of marriage, en dehors du mariage, it is called adultery, c'est appelé adultère or fornication. Ou fornication. Alléluia. Amen. Listen. Suivez. I haven't touched the point yet. I'm going to show you. You're going to understand it. I want to, if you understand it, you then whenever there's a problem, keep that in mind. Je suis pas encore parvenu au point pour que vous puissiez le saisir. Et si vous le saisissez à chaque fois qu'il y aura un problème, rappelez-vous de ceci. What I'm saying the message, question and answers, preaching 1957. Question et réponse de 57. Look, for when he was first made, he was made two people together. Observez, la première fois qu'il les a faits, il a fait deux personnes à la fois. He was made both male and female. Il était fait à la fois homme et femme. The man was. L'homme oui. Était comme ça. Il a fait l'homme comme ça. Il a fait l'homme comme the ça. The Bible said he was. La Bible dit qu'il était God comme ça. God made men both male and female. Dieu a fait l'homme à la fois homme et femme. Created he him. Le créant comme cela. Notice. Remarquez, when man was separated from the theophany, lorsque l'homme était séparé de sa théophanie and put in flesh, et mis dans un corps de chair, he wasn't just all together there. Il était tout ensemble là-dedans. Non, il n'était pas tout ensemble, théophanie, ce qu'il veut dire par là. Amen. Part of his being was still a theophany, une partie de son être était encore théophanie, so he didn't look right. Donc il n'avait pas l'air correct. There went the male and female in the cow, et là, l'homme et la femme dans le corps. In the cow. Vache. Dans la vache. There went the horse. Et sur le cheval. And when the ox. Et sur le veau. And there went everything pairs. Et là, il y avait toutes choses comme pairs. There was something lacking. Il y avait quelque chose qui manquait. That very crave showed that there was a mate waiting for him. Ça manque prouvait qu'il y avait cet être qui lui manquait. Alléluia. So that loneliness. Et cette solitude, that emptiness, c'est vide, was what caused marriage. C'est ce qui a causé le mariage. So marriage actually, alors le mariage en soi, is a restoration. Est une restauration. Because Brother Branham said, alors Frère Branham dit, the crave that Adam had, ce manque qu'Adam avait, that very crave, c'est vide. It was a proof. C'était une preuve that there was a mate somewhere waiting. Qu'il y avait une être quelque part qui attendait. Because death calleth unto death. Parce que la profondeur appelle à profondeur. You cannot desire water if water doesn't exist. Tu ne peux pas chercher de l'eau s'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Amen. If water doesn't exist, you won't thirst for water. S'il n'y a pas d'eau, tu n'auras pas la soif d'eau. Whatever you thirst for exists somewhere. Tout ce dont tu as la soif. So if Adam was craving in himself. Alors si Adam avait cette soif en that lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose là pour y répondre. So, Brother Branham said, so Adam was craving. Alors Frère Branham dit que Adam avait la soif. But what was craving for was already there. Mais la soif de ce dont il avait était déjà là. And God made it available for him. Et Dieu a fait en sorte que ce soit disponible pour lui. So it was a restoration. Alors c'était une restauration. Because it was in him. Parce que c'était en lui. When he saw him, quand il l'a vu. You are mine. Oh, tu m'appartiens. You are mine. Tu m'appartiens. I'm taking you. Je te prends. You are mine. Tu m'appartiens. You are flesh of my flesh. Tu es la chair de ma chair. You are bone of my bones. Tu es l'os de mes os. So it was a restoration. Alors c'était une restauration. It was, in other words, also the claiming. En d'autres mots, c'était aussi une réclamation. He was claiming. Il réclamait. Saying that this is part of me. Disant que ceci fait partir de moi. The same way Christ is going to claim the bride. De la même façon que Christ va réclamer l'épouse. She must be in oneness with him.
Elle doit être dans l'unité avec lui. Otherwise, there will be no. Il doit être dans l'unicité avec lui, sinon il y aura plus de. There will be no claiming. De réclamation. Alléluia. So, oneness. Alors l'unicité. Brother, give me that water. You see, in this water. Alors vous voyez dans cette eau. There is oxygen. Il y a de l'oxygène. And there is hydrogen. Et il y a de l'hydrogène. It's so one. Ils sont tellement un. If they are not together, it's no longer water. S'ils sont plus ensemble, ce n'est plus de l'eau. This is oneness. Ça, c'est l'unicité. So if this water goes through heat. Alors si cette eau entre dans la chaleur. So the element of that water, all of them get into heat. Tous les éléments de cette eau seront soumis sous la même chaleur. If this water goes into cold, si cette eau est soumise au froid, all the element of this water goes into cold. Tous les éléments de cette eau seront soumis au froid. I don't know if you understand when the Bible says that, husband, love your wife as your own body. Je ne sais pas si vous saisissez lorsque la Bible dit, homme, aimez votre femme comme votre propre corps. And then they tell the woman, et on dit à la your femme, body belongs to your husband. Ton corps appartient à ton they mari. Tell the husband, your dit, body belongs to your wife. À l'homme, ton corps appartient à ta femme. So you are no longer yourself. Donc tu n'es plus à toi-même. The Bible says they are no longer two, but they are now twain. La Bible dit qu'ils ne sont plus un, mais ils sont maintenant twain. Un. For this reason, parce que man shall leave his parents, l'homme doit quitter ses parents, and be united with his wife, et s'unir à sa femme. Alléluia. Amen. When there is oneness, lorsqu'il y a l'unicité, there is understanding. Il y a la compréhension. Amen. When there is oneness, lorsqu'il y a l'unicité, you share the pain. Vous partagez la douleur. When there's oneness, lorsqu'il y a l'unicité, you share the joy. Vous partagez la joie. When there's oneness, lorsqu'il y a l'unicité, you share the same life. Vous partagez la même vie. The life of Adam, la vie d'Adam, was the life of Eve. Était la vie de Ève. The life of Eve, la vie de Ève, was the life of Adam. Était la vie d'Adam. It was one life. C'était une vie. You touch this one. You touch the other one. Vous touchez celle-ci, vous touchez you l'autre. Touch this one, you touch the vous other touchez one. Celui-ci, vous touchez l'autre. That's a great mystery compared to Christ and the church. Ça, c'est un grand mystère comparé à l'Église et Christ. That reason, Paul. C'est la raison pour laquelle Paul. He said it's a great mystery. Il dit ce grand mystère. Compared to Christ and the church. Qui est comparé à Christ et à l'Église. Hallelujah. Now look. Maintenant, observez. Let me read with you. Je veux lire ensemble. Take your Bible in Romans chapter 8. Prenez votre Romans Bible chapter 8. Romains 8. Let's read it. On va lire. If you are in Christ. Si vous êtes en Christ. If you are in Christ. Si vous êtes en Christ. You are accepted in the beloved. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Hallelujah. Because of display of character. À cause de l'affichage du caractère. Because of identity. À cause de l'identité. Listen what Paul says. Suivez ce que Paul dit. Who shall separate us from the love of Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? We are in oneness with him. Nous sommes dans l'unicité avec lui. Shall tribulation? Est-ce que ça sera la tribulation? Or distress? Ou la difficulté? Or persecution? Ou la persécution? Or famine? Ou la faim? Or la famine? Ou la famine? Or nakedness? Ou manque d'habits, or peril, or sword, ou le chagrin. What can separate us? Qu'est-ce qui va nous séparer? Say, nothing can separate us. Il dit rien ne pourra because nous séparer. When you are in oneness, parce que lorsque vous êtes dans l'unicité, there's no trial. Il n'y a pas d'épreuve. There's no problem. Il n'y a pas de problème. There's no challenge. Il n'y a pas de défi. That can separate you from Christ. Qui peut vous séparer de Christ. Because you and Christ. Parce que vous et Christ. Have come to oneness. Vous êtes parvenus à l'unicité. You and Christ are one. Vous et Christ
être un. You die with him. Vous mourrez avec lui. You raise with him. Et ressuscitez avec lui. Glorified with him. Glorifié avec lui. Everywhere with him. Partout. He cannot let you alone. Il ne peut pas vous laisser seul. How many understand the importance of oneness? Let me see. Combien ont compris l'importance de l'unicité? Je vois. When there's oneness. Lorsqu'il y a l'unicité. Even if you ask Christ. Même si tu demandais à Christ something, quelque chose and he doesn't give it to you, et il ne vous donnait pas cela, you still love him. Vous allez toujours l'aimer. You won't say no God because you didn't give what I asked you. I'm not going to serve you anymore. That means you've never been one with him. Vous ne direz pas oh parce que tu m'as pas donné ce que je voulais Dieu je veux plus te servir. Cela veut dire que tu n'as jamais été un avec lui. Amen. What can separate us? Qu'est-ce qui peut nous séparer? From the love of Christ. De l'amour de Christ. As it is written. Comme c'est écrit. For thy sake. Est-ce que c'est la maladie? No, for thy sake, à cause de. À cause de cela. We, for thy sake, we are killed all day long. À cause de lui, nous sommes tués. We are accounted as sheep for the slaughter. Nous sommes considérés comme des brebis pour la boucherie. Pour la boucherie. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants pour lui qui nous aime. Verse 38 says, "I am persuaded." Car j'ai l'assurance. For neither death, que ni la mort, nor life, ni la vie, nor angels, ni les anges, nor principalities, ni les dominations, nor powers, ni les choses présentes, nothing present, ni les choses du présent, nor things to come, ou les choses à venir, nor height, ni puissance, nor depth, ni hauteur, nor any other creature, ni profondeur aucun, shall be able, créature ne pourra, to separate us, nous séparer, from the love of God, de l'amour de Dieu, which is in Christ Jesus our Lord, manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Wow. Oh là là. There's no language of divorce. Il n'y a pas un langage de divorce. Nothing can separate us. Rien ne pourra nous séparer. Because we are in oneness. Parce que nous sommes dans l'unité. It's like part of your body. Ça fait partie de ton corps. Christ is the head. Christ est la tête. And the church is the rest of the body. Et l'église c'est le reste du corps. Hallelujah. So what the church feels? Alors c'est que l'église en. Christ feels it. Christ le sent aussi. Hallelujah. He feels everything. Il sent toutes choses. And then the Bible says, et la Bible dit, husband, homme, love your wife, aimez vos épouses, as Christ loved the church, comme Christ a aimé l'église. How did he love him? Comment est-ce qu'il a aimé l'église? And gave his life for her. En donnant sa vie pour elle. So it is a sacrificial love. Alors c'est un amour de sacrifice. But for men to get there, mais pour que l'homme puisse parvenir à ce niveau, he needs Christ. Il a besoin de Christ. For the woman to get there, pour que la femme arrive jusque they là, need Christ. Elle a besoin de that's Christ. That's the reason without Christ in a marriage, raison pour laquelle sans Christ dans le mariage, there's no oneness. Il n'y a pas d'unicité. There's no forgiveness. Il n'y a pas de pardon. There's no understanding. Il n'y a pas de compréhension. There's no patience. Il n'y a pas de patience. There's no temperance. Il n'y a pas de tempérance. There's complaint all the time. Il y a des plaintes à tout moment. You see all the problems that we have in relationship. Alors voyez toutes les difficultés que nous avons dans des relations. I told you that there are three. Je vous ai dit l'autre fois, il y en a deux. Money. L'argent. Trois. L'argent. Money. Behavior. Les caractères. And intruders. Et les intrus. My family. Ma famille. Yeah. If somebody is married, but it's always my family. Si la personne est mariée, elle dit toujours ma famille. My family. Ma famille. But you are in a covenant. Mais vous êtes dans une alliance. You are in a covenant. Vous êtes dans une alliance. I'm not saying you have to deny your family. Je ne dis pas que vous devez renier votre famille. But you are in a covenant. Mais vous êtes dans une alliance. So the Bible says here, alors la Bible dit ici, nothing can separate us from the love of God. Rien ne peut nous séparer de l'amour de so Dieu. What it takes is oneness. Alors ça requiert de l'unicité. Because oneness gives you the opportunity to understand. Parce que l'unicité vous donne l'opportunité de comprendre. Oneness l'unicité will make you humble. Va faire en sorte que vous soyez humble. Any tribulation, any problem, distress, persecution, famine, nakedness, problems,
cannot separate us. Que ce soit la difficulté, le chagrin, la nudité, manque de nourriture, cela ne peut pas vous séparer. Alléluia. Amen. And God himself says in Malachi 3, et Dieu dit lui-même dans Malachi 3, he hates divorce. Il hait la répudiation. Alléluia. Now, let's read in the statue of perfect man for you to understand what I'm talking about. On va lire dans statue d'un homme parfait pour. You know when we are talking about the statue of perfect man, how many were there when I preached on the statue of perfect man? Lorsqu'on a prêché sur la statue d'un homme parfait, combien étaient là? God himself, Dieu lui-même, building in you, construisant en vous, his own nature, sa nature. It's the faith of Jesus. C'est la foi de Jésus. The virtue of Jesus. Les vertus de Jésus. Amen. Amen. The patience of Jesus. La patience de Jésus. How does he build it in you? Comment est-ce qu'il construit cela en vous? Through problems and testings. Par des difficultés test de tests. Test après test. Problems. Problème après problème. To think that marriage has no problem, that's a big lie of the devil. Alors penser que dans le mariage il n'y a pas de problème, ça c'est un grand mensonge du diable. I always tell people, I was telling the young people the other day, I said you will understand Christianity better when you get married. Je dis toujours, comme je le disais la fois passée aux jeunes gens, vous allez bien comprendre la chrétienté lorsque vous devenez marié. Because then you will see what it means to be a husband, to be a wife, to be a parent. Parce que là vous allez comprendre ce que cela veut dire être un époux, une épouse, des parents. The statue of perfect man, Brother Ram says. Le statut d'un homme parfait, frère Ram dit. A young man asked me the other day. Un jeune homme m'a posé la question and toi, said, en disant, you think I could ought to get married, Brother Branham, to such and such a girl? Tu penses, frère Branham, que je peux épouser telle fille? I think everybody, if Brother Branham was here, Brother Branham, what do you think? Who is going to be my wife? Who should I marry? Je crois que si Frère Branham était ici, aujourd'hui, tout le monde lui aurait demandé, Frère Branham, qui sera ma femme? Qui est-ce que tu penses que je devrais épouser? Alléluia. Je crois que Frère Branham serait débordé des questions de jeunes gens. Frère Branham, is that man, that sister, that brother, really the man I should marry? Frère Branham, ces frères, cet homme, cette sœur, c'est vraiment la personne que je dois épouser? I said, je dis, how much do you think of her? Combien tu penses à elle? He said, oh my, il dit, oh là là, I just love her. Je l'aime tout simplement. And I said, well, et je dis, alors, if you are not going to live without her, si tu ne sauras pas vivre sans elle, you'd better marry her then. Tu feras mieux de l'épouser alors. Well, there are people that say I couldn't live without her, but a few years later, they are still alive. You know? Il y a des gens qui disent que je ne peux pas vivre sans elle, mais quelques années après, ils sont toujours en vie. Listen. Suivez. But if you can live without her, mais si tu peux vivre sans elle, you better not. Tu ferais mieux de ne pas essayer. So, but if it's going to kill you, mais si cela va te tuer, you better go ahead and get married. Tu ferais mieux de continuer de l'épouser. I said, je dis, and so what I was trying to get to him, ce que j'essayais de lui faire, this, ceci, that if you love her so much, c'était que si tu l'aimes tellement, now, right now, maintenant, before you are married, avant que tu ne te maries, everything is just fine and dandy. Tout va très bien. But after you got married, mais après que vous soyez marié, then the toils and trials of life come in. Alors, le tourment et les tentations de la vie vont venir. So the toils and trials of life come into marriage. Les tourments et les tentations de la vie viennent dans le mariage. You see your husband mad. Tu vois ton angry. Mari fâché, très fâché. You see your wife angry. Tu vois ta femme très fâchée. These are the things that I don't know what's going on. Ce sont des choses qui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. A man killed his wife. Un homme a tué sa femme. He killed his children. Il a tué ses enfants. And then a man killed his wife and cut him in piece. Et cet autre homme a tué sa femme et l'a coupé en morceaux. What kind of love is this? Alors je me demande, quel genre d'amour est-ce? Where do people get this? D'où est-ce que les gens tirent tout ceci? But it all started with I love you. Mais ça commence avec je t'aime. With a big smile. Avec ce grand sourire. But then afterwards. Après quoi? Where's the smile? Où est parti le sourire? There's no hatred. Il y a maintenant la Why? Haine. Pourquoi? Because somewhere. Parce que quelque part. There was lack of understanding. Il y avait manque de compréhension.
When I'm saying understanding, quand je dis compréhension, you know, Brother Branham get married. He was talking to, he was talking about a sister. Vous savez, Frère Branham parlait d'une sœur. He said that sister was really a staunch believer. She believed the word long time ago. Elle a dit que c'était une sœur affermie. Elle croyait à la parole depuis très longtemps. And this man just came to the word not very long ago. Et cet homme venait d'entrer dans la parole il y a pas longtemps. And they got married. Se sont mariés. And the woman told the husband. Et l'épouse a dit à son mari. I said, if you ever travel, si jamais tu voyageais, and then you happen to have something there with another woman, et que tu faisais quelque chose là-bas avec une autre femme, come back to me, reviens vers moi, we shall pray, on va prier, and cast out that demon, et chasser ce démon là. I said, my God. J'ai dit, mon Dieu. Frère Branham dit, you take that love, tu prends cet amour, multiply million times, multiplie ça fois mille. Is the love that Christ has for you. C'est l'amour que Christ a pour vous. But what I'm trying to show you, mais c'est que j'essaye de vous montrer, the attitude of that sister. C'est l'attitude de cette sœur. Alléluia. Amen. Now he says this. Alors il dit ceci. But after you get married, mais après que vous soyez marié, then the toils and trials of life come in. Alors le tourment et les difficultés de la vie viennent. Now my question is, maintenant ma question, what can separate us, qu'est-ce qui peut nous séparer, from the love of Christ, de l'amour de Christ? Is it the toils and trials of this life? Est-ce que ce sont le tourment, is it money, et les tentations de la vie, is l'argent, it nakedness, est-ce que ce is it problems, d'habillement, est-ce que c'est de problèmes? Branham dit, that's when you've got to be so in love. C'est là que tu dois être tellement amoureux. That you understand one another. Au point où vous allez vous comprendre mutuellement. So understanding one another. Alors se comprendre mutuellement. Is in terms of toils and problems. C'est au moment de tourments et des problèmes. Is it when you are disappointed in her. Lorsque vous êtes déçu d'elle. She is disappointed in you. Elle est déçue de vous. You still understand one another. Vous êtes toujours capable de vous comprendre. You still understand one another. Vous êtes toujours capable de vous comprendre l'un l'autre. Amen. Amen. You see people here. Tu vois des gens ici. Sometimes you hear people. Oh, I don't want to talk to anybody in the church. Parfois, on voit des gens. Je veux pas parler aux gens dans l'église. Oh, I don't want to people. Non, je veux people, pas. Non, je veux pas. Je veux pas. They have a problem. Ils ont un problème. They lack understanding. Manque de compréhension. Because they are not in oneness. Parce qu'ils ne sont pas dans l'unicité. If you are in oneness, si vous êtes dans l'unicité, the spirit of Christ in you, l'Esprit de Christ en vous, you become a mercy seat. Vous devenez un propulsatoire. You project mercy. Vous projetez no matter la miséricorde. My sister has done, peu importe ce que la sœur no a fait. What my brother has done, peu importe ce que mon frère a fait. She is still my brother. Il est toujours mon frère. He is still my brother, sorry. Il est toujours mon frère. She is still my sister. Elle est toujours ma sœur. Lord, I'm praying for him. Seigneur, je prie pour Lord, lui. I'm praying for her. Seigneur, je prie pour elle. Raise her. Cela va l'élever. The Bible says, la Bible dit, you that believe you are spiritual, toi qui penses que tu es spirituel, that others are not spiritual, et que les autres ne sont pas spirituels, you that think the brothers and sisters are not spiritual, toi qui penses que les frères et and sœurs you sont think pas that spirituels, you are spiritual, et toi qui penses que tu es spirituel, the Bible says, la Bible dit, you should humble yourself, tu dois t'humilier, and come down, venir jusqu'en bas, level, à leur niveau, of those you think they're not spiritual, de ceux-là que tu penses qu'ils ne sont pas spirituels, with them together to raise them up, et les tirer ensemble pour monter avec eux. Alléluia. Amen. It's only Christ in you that can do it. Il n'y a que Christ en vous and qui peut le faire. Is not in you, et si Christ n'est pas en vous, you become a complainer, vous devenez un plaintif. Alléluia. Amen. You tell everybody all the whole world, vous dites au monde entier. Everybody knows your problem. Tout le monde connaît le problème. Everybody knows what's going on. Tout le monde sait ce qui ne va pas. Everybody knows the details of your life. Tout le monde connaît le détail de votre vie. Why? Pourquoi? Something wrong somewhere. Quelque chose ne va pas quelque part. Something wrong somewhere. Quelque chose ne va pas quelque part. When you are disappointed in her, lorsque vous êtes déçu d'elle, she is disappointed in you, elle est déçue de vous, you still understand one another. Vous êtes toujours capable de vous comprendre. So there must be something to make you understand. Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse en sorte que vous compreniez. What Branham said, Branham dit, God builds that nature in us, Dieu a construit cette nature en nous, so we become partakers of his nature, afin que nous devenions participants de sa nature. When you become partakers of God's nature,
nature, lorsque vous devenez participant de la nature de you Dieu, understand God. Vous comprenez Dieu. When you ask him something he doesn't give you, lorsque vous lui demandez quelque chose qu'il ne you vous donne, understand him. Vous le comprenez. Hallelujah. Job was there. Job était là. All his children killed the same day. Tous ses enfants tués le même jour. And all his money and riches, everything gone. Et tout son argent, sa richesse, tout est parti. He even fell sick. Il était même tombé malade. But yet Job said, mais je peux when they told him God took his children, when the children was dead, lorsqu'on lui a dit que ses enfants étaient morts, he said God has given, il a dit Dieu a donné, God has taken, et Dieu a repris, may his name be glorified, que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. A real son of God, un véritable fils de Dieu, a true child of God, un véritable enfant de Dieu. Brother Branham said, comme frère Branham le dit, if you are a sheep, si tu es une brebis, if you are a sheep, si tu es un troupeau de Dieu, une brebis, you are ready to give up your rights. Tu es prêt à sacrifier tes droits. If you are a sheep, si tu es une brebis, but he said most of the people, mais il a dit la plupart that des gens are not ready to give out their rights, qui ne sont pas prêts à sacrifier leurs droits. They act like the goat. Ils agissent comme le bouc. But the sheep, mais la brebis, is ready to give out his right. Prête à céder ses droits. Alléluia. Amen. But what I'm saying, the message church of Christ. That's the way it is with Christ. C'est comme ça que ça marche avec Christ. You see, voyez-vous, we've got to be so in love with him. Nous devons tellement être amoureux de lui. Till when we ask for something, jusqu'au point où lorsque nous demandons quelque and chose, and he doesn't give it to us, et qu'il ne nous donne pas, that doesn't shake us a bit. Cela ne nous secoue même pas un tout you petit see, peu. Voyez-vous, you see why? Voyez-vous pourquoi? And the only way you can do that, la raison pour laquelle vous pouvez le faire. What I'm saying, the only way. Frère Branham dit l'unique façon. The only way. L'unique façon. You can do that. Pour que vous puissiez le faire. Is to become partakers of his divine nature. C'est de devenir participant de sa nature divine. In other words, dans d'autres mots, to become one with Christ. Devenir un avec Christ. Then you will understand. Ainsi vous allez comprendre. The reason. La raison. He can't give it to you. Pour laquelle il peut pas te le donner. Partakers. Participant. Of his divine nature. De sa nature divine. Alléluia. Amen. Now, when you take all the problems that arise in marriages today. Mais c'est dans lorsque vous prenez tous les problèmes qui sont dans le mariage aujourd'hui. Money. L'argent, behavior issues, les comportements, and also intruders, et les intrus. You see all these things. Vous voyez toutes ces choses. You need to understand one another. Vous devez vous comprendre mutuellement. If your wife worships her family, si votre femme adore sa famille, she thinks that her family is the best family in the world. Elle pense que sa famille c'est la meilleure chose au monde. That deserves more attention than any other family. Qui a besoin de plus d'attention que n'importe you, quelle autre famille. Vous, comme chrétien, you should know how to approach that. Vous devez savoir comment approcher cela. You should understand, vous devez comprendre her, la comprendre, and help her come out of that. Et l'aider à sortir de là. Amen. If your husband, si ton mari worships his family, adore sa famille, and he thinks his family is the best there is in the world, et pense que sa famille c'est la meilleure qui est au monde, and whatever his family says is a yes, et tout ce que sa famille dit c'est un oui, whatever problem at home is just what his family says, n'importe quel problème qui arrive à la maison, ce qui compte c'est que sa famille it doesn't depend on God's word anymore, it depends on his family to say what he needs to do. Il ne dépend plus de la parole de Dieu mais de sa famille pour dire ce qu'il doit dire. Then you gotta go on your knees. Alors tu dois aller à genoux. You gotta claim him as your husband. Tu dois le réclamer, c'est ton mari. These are problems and toils of life. Ça, ce sont de problèmes et de tourments dans la vie. You have to claim him. Vous devez le réclamer. You need to say, Lord, I'm claiming my husband. Vous devez dire, Seigneur, je réclame mon mari. Deliver him. Délivre-le. If you gotta go fasting, go fasting. Si tu dois aller jeûner, va jeûner. What people do? Qu'est-ce que les gens font? They want overnight miracle. Ils veulent un miracle d'un jour. My wife is like this. I want him to change overnight. Ma femme est comme ceci, je veux qu'elle change. My husband is like this, I want them to change overnight. Je veux qu'il change d'un jour à l'autre. It will never happen. Cela ne va jamais prendre remember place. The quote I sent you on the chatting group? Rappelez-vous de la citation que je vous ai envoyée dans le groupe. Brother Branham said, Branham dit, God cannot put you in the end of this pipe and get you there perfect. Dieu ne peut pas vous faire entrer de ce côté du overnight. Tuyau et vous sortir de l'autre côté. It takes time. Du jour au lendemain, non, ça prend du temps. It takes time. Ça prend du temps. Bible said in the message oneness, and the oneness in fellowship was broke between God and His children. Prédication unicité et l'unicité était établie entre Dieu et ses enfants.
You see the oneness of husband and wife. Vous voyez l'unité entre l'homme et la femme. Was broken. Était brisé. When they disbelieved God. Lorsqu'ils ont. Lorsqu'ils n'ont pas cru à Dieu. Amen. Amen. When they disbelieved God. Lorsqu'ils n'ont pas cru en Dieu. The oneness with God was broken. L'unicité avec Dieu était brisée. And the oneness also between themselves was also broken. Et l'unicité aussi qui existait entre eux était brisée. So the oneness in marriage. Alors l'unicité dans le mariage. Will stand as long as there is a belief in God's word. Va tenir bon aussi longtemps qu'il y a la. When la foi Adam and Eve Dieu. Disbelieved. Lorsque Adam et Ève ont manqué de croire. And that's when it happened. C'est là que c'est arrivé. The minute she disbelieved. Du moment où elle a manqué de croire. One little paragraph, one little word of God, everybody gets the same, say amen. What do I say? Everybody gets the same, say amen. Juste ce paragraphe, un petit mot, et Frère Branham dit que tout le monde dise amen. Not only that. Pas seulement ça. But the oneness between the husband and wife was broken. Mais l'unicité entre l'homme et la femme était brisée. I don't believe there's any marriage can be what it ought to be without a union between husband and wife and God. Je crois pas que un mariage quelconque est peut-être ce qu'il est supposé être sans l'union entre l'homme, la femme et Dieu. And what Abraham says, I'm going to close here because of time. Je clôture ici à cause Listen du temps. Now. Suivez maintenant. He said when God came to Adam. Il dit lorsque Dieu est venu vers Adam. And said Adam. Il a dit Adam. Why did you do this? Pourquoi as-tu fait ceci? What Abraham said? Abraham dit. Adam should have taken responsibility. Aurait dû prendre ses responsabilités. But what did he say? Et qu'est-ce qu'il a dit? The woman you gave me. C'est la femme que tu m'as donnée. It's not me. C'est pas moi. It's the woman. C'est la femme. And then when he came to the woman. Et quand il est venu chez la femme. The woman should have said. La femme aurait you know dû what, dire. God? Tu sais quoi, My Dieu? My husband is innocent. Mon mari est innocent. I'm the one. Je suis That's what la coupable. C'est que Frère Branham dit. But she didn't do it. Mais elle n'a pas fait ça. You see, it's not me. Elle a dit, c'est pas moi. It's the serpent. C'est le serpent. You see, tu vois that the attitude of people in marriage. C'est l'attitude de gens dans le mariage. When there's a problem, quand il y a un problème, they do not take responsibility. Ils ne prennent pas les responsabilités. They always think it's somebody else's fault. Ils pensent toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre. They always think Ils pensent toujours it's somebody else's fault. Que c'est la faute de quelqu'un They d'autre don't take responsibility. Et ne prennent pas leur responsabilité. As people say, comme les gens le disent, victory, la victoire, everybody wants to own it. Tout le monde veut l'avoir. But defeat, mais nobody wants to accept la défaite, it, like they are responsible for defeat. Personne ne veut croire qu'ils sont responsables pour la défaite. Something good, quelque chose est bon. They want to take ownership. Ils veulent prendre le porter le chapeau. And something bad, et quelque chose est mauvais. They give it to somebody else. Ils veulent donner ça à quelqu'un d'autre. Keep in mind. Gardez en tête. It was when fellowship was broken. C'est lorsque la communion était brisée. Fellowship was broken with God. La communion était brisée avec when Dieu. When oneness was broken with God. Lorsque l'unicité était brisée avec Dieu. That's when in the role, because man has a role as a husband. C'est là que le rôle de l'homme, parce que l'homme a un rôle comme mari. He was there, the image of protection. Il était là l'image de la protection of Eve. De Ève. And he should have taken responsibility. Il aurait dû prendre ses responsabilités. Say, Lord, you know, I failed. Dire, Seigneur, tu sais, j'ai failli. I should not let my wife go out. J'aurais pas dû laisser ma femme sortir. She should have stayed home. Elle serait restée à la maison. Or when she went out, ou quand elle est partie, I should have gone out with her. Je serais sorti avec elle. Hallelujah. That's what happened to you. C'est ce qui Every vous arrive. Every time you go out and face problems without Christ, you get into trouble. Lorsque vous allez faire face aux problèmes sans Christ, vous vous retrouvez dans des If problèmes. If you would have said that, would assume and take responsibility. Si vous auriez But assumé Lord, I'm innocent. Seigneur, je suis you know, innocent. I'm a good person. Je suis quelqu'un de bien. Me, I'm good. Moi, je suis bien. It's the wife that you gave me. C'est la femme que tu m'as donnée. They go to the wife. On va chez la femme. Eve. Eve. Tell us. Dis-nous. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? It is the serpent. C'est le serpent. So it's nobody's problem. Non, c'est le problème de personne. Somebody you come home. Vous voyez quelqu'un qui vient à la maison. You find the fridge maybe something messed up. You say, who did this? Tu Everybody looks at you. Quelque Nobody. Chose who did de sale sur le frigo. Nobody. Qui a fait ceci? Who did Tout this? Le monde te regarde. Nobody. Personne. Qui a fait ceci? Personne. But let something good happen.
Mais attends que quelque chose de bien se passe dans la maison. This food is good. Cette nourriture est bonne. Who cooked it? Qui l'a préparé? Me. So anything good, tout ce qu'il y a de bien, people want to take credit. Les gens veulent prendre le chapeau. Anything bad, et ce qui est mauvais, people don't want to take responsibility. Les gens ne veulent pas prendre la responsabilité. It's a wrong attitude. C'est une mauvaise attitude. When things go wrong in the church, quand quelque chose est mauvais dans l'église, the pastor, le pasteur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But you have responsibility too in your role. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. As a husband, as a wife, you have a role to play. Comme époux, comme épouse, vous avez un rôle à jouer. So what I'm trying to tell you today, c'est que je veux vous dire aujourd'hui, is that the key, c'est que la clé of success in marriage, du succès dans le mariage, is Christ. C'est Christ. Man has to have a personal relationship with Christ. L'homme doit avoir une relation personnelle avec Christ. And the wife has to have a personal relationship with Christ. Et la femme doit avoir une relation personnelle avec Christ. If both of you have a relationship with Christ, si vous deux vous avez de relations avec Christ, both of you become mercy seat. Vous deux vous devenez un propitiatoire. The husband can come to his wife. L'homme peut venir chez sa femme. A mercy seat. Elle est propitiatoire. The husband, the wife can go to the husband. Et la femme peut aller chez l'homme. A mercy seat. Il est un propitiatoire. To find peace. Vous trouvez la paix. To find love. Vous trouvez l'amour. To find patience. Vous trouvez la patience. To find comfort. Pour trouver le confort. Not when she has a problem. Ce n'est pas lorsqu'elle a un problème. And you dissociate yourself from her problem. Et vous, vous. It's her problem. Vous vous ôtez du problème. Vous dites que c'est son problème. But what is your role in that problem? Mais c'est quoi votre rôle dans ce problème? Then when he got into trouble, et lorsqu'elle se retrouve dans des problèmes, I always tell you, j'étais toujours dit, you never listen. Tu n'avais jamais écouté. Now you see, maintenant tu vois. Now you see, you deserve it. Tu vois, tu l'as mérité. Is that how a mercy seat acts? Est-ce que c'est comme ça qu'un propulsatoire se comporte? So we have lost some principles here. Alors nous avons perdu quelques principes and ici. We forget what marriage is all about. Et nous avons oublié ce que c'est un mariage. This is just a foundation. I mean, understand the key. Ça c'est juste un fondement qui a compris la clé du succès. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. You understand? Veuve tenir debout. I want to live the way he wants me to live. You young people. Vous jeunes gens. Remember that. Rappelez-vous. But the Bible says. La Bible dit. He that has found a good wife. Celui qui a trouvé une bonne femme. Has found a good thing. A trouvé le bonheur. Amen. God cannot lie. Dieu ne peut pas mentir. When God gave Adam Eve. Quand Dieu a donné à Adam et Ève, it was the best thing he could have given Adam. C'était la meilleure chose qu'il aurait pu donner à Adam. Amen. It was not a mistake. C'était pas une erreur. You may look at your husband as a mistake. Tu peux regarder à ton mari comme une erreur. You may look at your wife as a mistake. Et tu peux regarder à ton épouse comme une erreur. Maybe you are dreaming of a perfect man, of a perfect woman. Peut-être tu rêves d'un homme parfait ou d'une femme parfaite. But I can guarantee you they do not exist. Mais je peux vous garantir que ça n'existe pas. But with Christ, mais avec Christ, you can make your relationship perfect. Vous pouvez rendre votre relation parfaite. With an imperfect man, avec un homme imparfait. With an imperfect wife, et une femme aussi imparfaite. You can have a perfect relationship. Tu peux avoir une relation parfaite. Through Christ. À travers Christ. Amen. Let us sing. Until there's just no more.
lift up your voice. Élevez vos voix. And say, oh God, I want to be in oneness with you. Dieu, je désire être dans l'unicité avec toi. Because if I'm in one with you, parce que si je suis juste un avec toi, that will give me victory in my any other relationship. Cela me donnera la victoire dans n'importe quelle relation. Lord, come and help me. Viens m'aider, Seigneur. Take unbelief away and doubts. Ôte l'incrédulité et les doutes. Teach me patience and long suffering. Enseigne-moi la patience. Teach me faith. Enseigne-moi la foi. Teach me virtue. La vertu. Teach me brotherly kindness. Enseigne-moi l'amour fraternel. Lord, I surrender myself in your hands. Je m'abandonne dans tes mains. I need you more than gold and silver. J'ai besoin de toi plus que l'or et l'argent. In a few words, raise your voice unto God. En peu de mots, élevez vos voix vers le Seigneur. Our gracious Heavenly Father, gracieux Père Céleste, we thank you for your love and grace. Merci pour ton amour et ta grâce. For the opportunity you have given us to talk about these issues. Pour nous avoir donné l'occasion de parler à ces sujets. Father, we are not talking about marriage in the natural only. Père, nous parlons pas seulement du mariage dans le naturel. But we are also referring to the marriage of the between the bride and Christ. Parlons aussi, nous référons au mariage entre l'épouse et Christ. Lord, how we need to come and become one with you, Lord. Comment nous avons besoin d'être devenir un avec toi, Seigneur. Father, we know one of these days, Père, this world will be over. Un de ces jours, tout sera fini. We are living in a time, Lord, we are going to harvest the crop. Nous vivons dans une période de la saison de la moisson. Nous allons récolter. And this is the age where the seed must come into maturity. Et ceci est l'âge dans lequel la semence devait atteindre la maturité. This is the time where there should be genuine brothers and sisters that really has become the Word made flesh. C'est vraiment le moment où il y aura des filles et des sœurs, les fils et des filles véritables qui seront la parole faite chair. And we are so thankful to God that you have sent both the former and latter rain in this season, Almighty God, of the last age. Nous sommes contents, Seigneur, que tu as envoyé
la première et dernière pluie dans cette saison de l'orage. Lord, to help us get there. Pour nous aider à y arriver. Father, here we surrender ourselves. Et voici, nous abandonnons. You know our lives and our hearts. Tu connais nos vies, forgive nos our mistakes and shortcomings. Pardonne nos erreurs, nos transgressions. But help us, oh Father, move on. Aide-nous à avancer. Fix what needs to be fixed. Réparer ce qui doit être réparé. Look at ourselves. Et regardez à nous-mêmes. Stop blaming other people. Arrêtez de blâmer les autres. But to take responsibility of our actions. Mais de prendre les responsabilités de nos actions. And to take the word with us, oh Father. Et prendre la parole avec nous. Lord, may you help us. Seigneur, puisses-tu nous aider. As we've seen in the word of God. Comme l'avons vu dans la parole de Dieu. It's when Eve disbelieved the word. C'est lorsque Ève avait n'avait pas cru la parole. That she did no longer want to take responsibility. Elle ne voulait plus avoir les responsabilités. Lord, it's when Adam broke the word. C'est lorsque Adam avait brisé la parole. That he did not want to take responsibility. Il ne voulait plus prendre les responsabilités. He blamed everything on his wife. Il a tout blâmé sur son épouse. The wife blamed everything on the serpent. Et la femme aussi avait tout. Blâmé sur le serpent. Nobody wanted to take responsibility. Personne ne voulait prendre les responsabilités. Because there was no more oneness. Parce qu'il n'y avait plus d'unicité. Because Adam. Parce qu'Adam. He saw his problem as his wife's problem. Il a vu son problème comme le problème de sa femme. He said it was not me. Il a dit que ce n'était pas moi. When they were all one. Quand ils étaient tous un. But at that time he said it was not me, it was her. À ce moment-là, il a dit qu'il ne sentait pas. And Eve as well. Et Eve aussi. She did not want to show how she made a mistake. Elle voulait pas montrer comment elle avait commis l'erreur. But she said it was the serpent. Elle a dit que c'était le serpent. Lord, we see in marriages today that what happens. Voyons les mariages aujourd'hui, c'est ce qui arrive. The wife blames the husband. La femme blâme son mari. The husband blames the wife. Le mari blâme aussi la femme. And nobody is taking responsibility. Et personne ne prend les responsabilités. Nobody is humble enough to see where they've made a mistake. Personne n'est assez humble de voir là où ils ont fait l'erreur. Nobody is humble enough, Lord, to see where they have failed you according to the position you've given them in the word. Personne n'est assez humble pour reconnaître là où ils ont failli dans leur position. And we know we are only powerful as long as we are in our position. Et nous savons que nous sommes seulement puissants lorsque nous sommes dans notre position. Based on what God has given us in His Word. Basé sur ce que Dieu nous a donné dans sa Father, I pray today that you will help Mount Zion. Père, je prie que tu puisses aider Mount Zion. You will help, Lord Jesus, our young people. Que tu aides nos jeunes gens. That people may get the revelation. Qu'ils puissent avoir la révélation. Of what it means, oh Father. Et c'est exactement ce que tu fais. I surrender everything in your hands, oh God. J'abandonne tout dans tes mains. Bless those who are listening online. Bénis ceux qui écoutent en ligne. That could not make it. Pouvez pas arriver. And bless us on Sunday, oh Father. Bénis-nous le dimanche aussi. That we may have a wonderful service. Connais un service merveilleux. You know the needs of your children. Connais les besoins de tes enfants. We reveal yourself. Révèle-toi. As the resurrected Christ. Comme le Christ ressuscité. And bless each and every one, oh Father. Et bénis chacun de nous. Lord, we surrender everything in your hands tonight. Nous abandonnons tous. Go with us in our separate way, Lord. Va avec chacun de nous. And protect each and every one. Et protège chacun. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. God bless you all. Dieu bénisse tous. Maybe sit if you want. Peux vous asseoir si vous voulez. I would like the help of some brothers to help me take the tank we use for baptism outside because. J'aimerais que certains frères m'aident à sortir le baptistère à l'extérieur. Because I'm going to be a little bit busy, I won't have time to do it. So if you can help me bring it out. It would be very much appreciated if you just keep it outside there. Si vous pouvez sortir ça, amener ça dehors, ça va aider parce que je serai un peu occupé. Amen. Amen. May God bless you all. Dieu bénisse tous. Blessed be the name, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed.